Voilà, c'est comme ça. Et nous avons présenté un peu d'artistes que nous avons attendu dans le pays d'Haïti qui ont fait une époque que tout le monde nous a aimé. En pile, nous avons aimé entendre parler de Julio Iglesias. Vrai nom, monsieur, c'est Julio José et Iglesias. Il prend naissance le 23 septembre 1943 dans la ville. Alors, ça, c'est un peu nous avons étonné qu'on ait. Julio Iglesias, c'est espagnol. Tout le monde dit que c'était argentin. Eh bien, monsieur, c'est en Espagne. Monsieur prend naissance lui. Et Madrid, exactement. Lui, dans l'année 70, il était abandonné carrière, c'est-à-dire comme footballeur, parce que monsieur, c'est un grand footballeur. Monsieur était dans Real Madrid, c'est dans le club ça, et que monsieur était joué et était commencé carrière footballeur. Il était convaincu d'entrer dans la musique, là, carrière musicale, monsieur. Il était prêt à l'établissement scolaire à l'âge de 10 ans. Le, monsieur était venu entrer dans la musique. Il était venu reconnaître dans le monde musical là. C'était 8 mai 1975. Et côté public, le monde musical là vient reconnaître Julio Iglesias par façon monsieur était chanté, monsieur interprété, plus interprété. Et dans le moment qu'on a parlé là, monsieur lui parlait 14 langues. 14 langues différentes. Monsieur parlait français, il parlait l'école, il parlait anglais, il parlait plus. Enfin, il parlait toutes 14 langues. Elle chantait au tout. Alors, Julio Iglesias, monsieur était un grand footballeur et qui prenait naissance en Espagne. Et pour un peu le monde qui pensait que c'était argentin, non. Monsieur était venu faire un temps en Argentine. Côté monsieur était qu'on a chanté. Il était qu'on c'est-à-dire était passé plus de une dizaine d'années dans le pays ça. Mais monsieur c'est espagnol, vraie nationalité monsieur. Et monsieur, c'est un monde qui chantait et qui fait le monde entier. Et c'était un monde qui était gagné une apparence le rap chanté, ou senti vraiment vrai. Et il était vraiment un roman, c'est-à-dire, il était gagné un sens plus et sentiment d'amour. Le rap chanté, ou senti vraiment vrai. Et romantique, façon musique et façon d'interpréter. Il chantait avec Mireille Mathieu, il chantait Nana Mouskouri, il chantait avec plusieurs vedettes dans le monde là, et toutes ces grandes vedettes que monsieur a chanté. Nous invitons à rester branchés et nous prenons une petite pause ensemble avec Julio Iglesias. Noni, c'est Julio José Iglesias. Rester branchés, nous retournons dans l'heure. No andi inventando por ahí historias y mentiras sobre mí. Eu que tanto amei. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir. Decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor. Te burlas de mí. Es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido y amor, que nunca he sido tú. Solo por orgullo ese querer, a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti,
que les dirás de mí. Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí, hey, no creas que te guardo algún rencor. Es siempre más feliz y el más amor, y ese siempre fui yo. Et dans un moment, on a salué tout le super branché nous, on a dit bon, on a parlé de un gros garçon, mais qui pipiti dans le monde blanc. D'abord, qui est un Brésilien et qui a commencé la carrière musicale dans l'église Saint-Vincent. Nelson Ned, qui prend naissance le 2 mars 1947 dans la zone Brésil, et naturellement, au côté créé Davila Pinto. Et il a commencé la carrière musicale en époque, monsieur, c'est dans l'église Saint-Vincent que j'aime nous là, monsieur a commencé dans la cour Brésil. Monsieur a gagné comme professeur en Bobby Rivas qui a fait monsieur. Et dans l'année 58, eh bien, Nelson Ned a chanté dans l'affaire de l'église, côté il a plus et persévéré, donc a dit plus musique évangile, évangélisation. L'été vient passé quelques temps, bien quelques années avant que l'été vienne chanter musique populaire, quand l'été était dans l'affaire l'église. Li. Tout de suite, monsieur, l'été vient adapter li avec un chant populaire, côté monsieur, vient gagner Marie, un autre public plus gros, plus large, qui l'été vient apprécier et façon et Nelson Ned lui-même l'étape jouer musique. Nous avons dit que c'est le seul chanteur qui était passé en Haïti, qui n'a pas de rien comme préjudice, qui était joué avec l'orchestre septentrional. Là, nous parlons de préjugé. C'est parce que monsieur n'a pas de aucun problème. Il était entre Haïti, il dormait à Haïti, il virait avec Haïtien, il et partition de, pour l'orchestre accompagné. Il n'a pas fait même genre avec un pilote comme. Et Charles Aznavour, qui était Aldomi Saint-Domingue, enfin, et monsieur était, et même avec Miguel Aceves, mais il était entré en 1948, eh bien, Miguel Aceves marchait dans toute Port-au-Prince, marchait tout côté, à l'engarage, à tout côté, et
parce que c'est mécanicien lié, avant que l'été vienne chanter, puisque c'est mécanicien lié. Alors, monsieur.